Il m'a giflé, papa, il m'a giflé. Il a fait pac, pac. Je suis tombé, j'ai collé la tête. Ah! Si tu dis que tu ne veux plus te faire du mal, il y a des gens qui te demandent encore. Attends. Tu veux quoi avec mon téléphone? Attends. Tu fouilles dans mon téléphone? Pourquoi tu fouilles dans mon téléphone? Mais j'ai le droit de fouiller ton téléphone. Quel droit te permets-tu de fouiller dans mon téléphone? Quel droit? Je suis ton mari. Faut plus jamais toucher à mon téléphone. Mais j'ai le droit de fouiller ton téléphone. Non, jamais. Tu ne peux pas fouiller dans mon téléphone. Ça, c'est quel moyen de me parler ça? Tu veux me taper, ok, faut me taper. C'est mon père, je vais appeler pour toi maintenant. Tu le connais, donc tu veux me taper, faut me taper. Je vais appeler mon papa, je vais aller lui dire que c'est comme ça. Tu veux me taper ça à la maison? Non, je vais aller lui dire ça. C'est bon. Je vais aller lui dire ça. Je ne veux plus toucher ton téléphone. C'est fini, j'ai compris. Faut encore crier sur moi. Calme-toi, c'est bon. Faut encore crier sur moi. Non, c'est bon, bébé. Oh. Viens, bébé, c'est bon. On peut jamais toucher à mon téléphone. J'ai compris. Chérie, j'ai oublié de t'informer. Je vais aller voir mes amis, quoi. Je veux rester un peu avec eux. C'est ta nourriture, j'ai préparé pour toi. Et tu veux laisser pour aller voir tes amis ou bien je comprends pas? Non, je ne veux pas manger aujourd'hui. Hein. Je veux manger chez mes amis, quoi. Ah bon? Moi, je paie mon temps pour cuisiner pour toi. Maintenant, tu dis que tu ne veux pas manger aujourd'hui. Attends, c'est forcé de manger maintenant? Ah. Je ne veux pas manger. Tu pourquoi? Tu cries sur moi, hein? Tu cries sur moi, hein? Je voulais te pardonner. C'est toi, mais tu te crées des problèmes. Tu veux mon père, non? Je vais l'appeler pour toi. Faut partir. Oh. Non, faut partir. Tu veux partir, non? Non, tu veux partir. Je veux manger, c'est ma nourriture, non? Tu veux partir, non? Je veux manger, pourquoi ne pas manger? Quand tu connais mon père seulement, là, moi, ça me va. Et quand tu dis ça, là, c'est que tu es autre chose dans la maison. Tu connais mon papa, là, ça me fait plaisir déjà. Moi, je ne peux pas pour toi, tu dis que tu ne veux pas manger aujourd'hui. Je veux manger. Pourquoi ne pas manger à la maison? Quand on a une femme, elle prépare, là, on doit manger à la maison, non? Quand tu casses ça, là, c'est chez qui je vois ça, là? Chérie, tu es là. C'est le matériel là, tu sais qu'ils m'ont eu. Bébé. C'est quoi? Il se passe quoi? Faut pas me parler. Pardon. Faut pas me parler. J'aurais pas. Faut pas me parler. Pas du tout. Il y a qu'un souci. Toi et moi, on est resté là, on a parlé tout à l'heure, non? Et alors? Il se passe quoi? Et alors? Attends, là, tu veux commencer. Tu m'as giflé. Attends, je t'ai dit. Tu m'as giflé. C'est quoi tu fais là? Abyss, j'arrive pour toi. Tu vois. C'est mon papa, je vais aller appeler. Ça, je vais pas te pardonner. Bébé, je viens pour toi. Ore yo lori le kule ni bi gbogbo aye n dana puro won di fa fe ni mimo di fa lo won ti se awon ara won mo kasa iwo ara won bo awon ara won apade ni saju ofona awon ara won mo kasa iwo ara won bo. Hey papa. Papa. Ma fille, comme tu as dit, tu es là déjà. Je l'ai souffert. Lève-toi. Il y a quoi? Papa, c'est mon mari. Ton mari, papa, quoi? Ce qu'il a dit sur toi, là, papa. Il a dit que toi, tu peux rien lui faire. Que toi, tu n'es personne. Toi, Abyss, là? C'est lui, papa. Il a dit que toi, tu peux rien faire. Il a insulté toute notre famille, qu'on peut rien. Il t'a fait quoi? Il m'a giflé, papa. Il m'a giflé. Il a fait pac, pac. Je suis tombé, j'ai collé la tête. Abyss? La tête, c'est lui, papa. Ah! Si tu dis que tu ne veux plus te faire du mal, il y a des gens qui te demandent encore. Abyss? Tu peux rien faire. Abyss a dit ça. Oui. Que moi, je ne peux rien faire. Ah, Abyss, je vais te montrer que je vais faire beaucoup de choses. Je vais te faire 1000 choses. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Allons-y, chez lui. Oui, on y va, papa. Et calme-toi, ma fille. So, regardez les yeux de mon enfant. Allons. Nanyen. Tu viens d'où? Tu es parti où? Retourne là où tu as quitté.
retourne là où tu as quitté. Sinon, c'est maintenant là que je vais te taper. C'est maintenant là que je vais te montrer ce que je, celui que je suis. Hein? Tu vas montrer quoi à mon enfant? Hein? Dis-moi, tu vas montrer quoi à mon enfant? Ne me salue pas. Parce que tu ne m'as pas invité. Abyss. Papa. Abyss. Papa. Non, non, ne me parle pas. Abyss. Tu me connais, non? Oui, papa. Tu sais de quelle voix je me chauffe, moi? Papa, il a dit, tu peux rien faire. Oh bien. Ah, papa, c'est pas ce que vous... Non, non, non. Abyss, fais beaucoup d'attention envers moi. Papa, vous savez que je vous respecte beaucoup. Je ne peux non, rien. Non, ne me respecte plus. Tape-moi. Ah, papa, je ne peux rien faire. Je dis, tape-moi. Tape-moi. Faut le taper. Tape-moi. Ah, mais donc, tu m'as giflé là. Faut le gifler. Moi, je t'ai giflé. Ah, tu m'as giflé. Tu es romantique devant mon père. Moi, je t'ai giflé. Attends, comment tu peux. Ça fait une blanc. Donc tu n'as pas giflé mon fils. Alors, et tu n'as pas giflé ma fille. Tu n'as pas giflé ma fille. Dis-moi donc, tu n'as pas giflé ma fille. Tu n'as pas giflé ma fille. Oh, papa, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Tu elle, as... elle a pris mon téléphone. C'est mon téléphone, elle a pris. Hey, elle a pris mon téléphone. Non. Et j'ai fait comme ça. Attends, moi j'aime la vérité. Tu dis qu'elle a fouillé ton téléphone. Papa, elle a fouillé mon téléphone. Elle a fouillé. Dit non. Papa, elle ne peut pas mentir. Elle a fouillé mon téléphone. Tu as fouillé son téléphone. Tu as fouillé effectivement son téléphone. Oui, mais papa, c'est vrai. Et tu as venu me mentir. Et tu m'as fait déplacer pour quoi? Dis-moi. On fouille le téléphone. Est-ce une femme? Une femme qui veut rester dans son foyer a le droit de fouiller le téléphone de son mari. Ton mari est comme ça avec toi. Et tu fouilles encore son téléphone. Tu fais du. Écoute, est-ce que tu veux effectivement rester avec lui? Mais ouais, tu veux même. C'est moi qui t'ai mis au monde. Et je ne peux jamais te chercher du mal. Non mais papa, c'est l'infidélité, c'est pas. Mais le jour de ta toque là, j'ai dit certaines choses. J'ai donné certaines lois. Et s'il a. Il a pu. Ébloué. C'est les gens qu'il faut publiciter avec moi. C'est les publicités, je le fais. C'est les gens qui fait. Je le fais publicité. Publicité. Tu connais son travail. Je connais papa. Tu connais son travail. Oui. Et maintenant, pourquoi tu fais la jalousie? J'étais venu pour te faire du mal. Rien que pour te faire du mal. Mais heureusement que ce que tu viens de dire de ta bouche comme ça, c'est contre ma fille. Qu'est-ce qui te concerne dans le portable de ton mari? Sois fier de toi et sache que tu es ici, personne ne peut jamais venir rester ici avec toi. Il te donne à manger, non? Il te fait tout, non? Et tu veux quoi maintenant dans son portable? Adouane, y'a quoi, frère? Hein? Allez, embrassez-vous rapidement, je vais voir. Ma fille, oh! Embrassez-vous rapidement. Dis-lui chérie, je ne veux plus fouiller ton portable. Dis ça. Dis-lui ça. Chérie, en plus, je t'entends. Tu es sûr, non? Tu es sûr, non? Faut pas dire ça de papa, maintenant. Après, tu vas pouvoir pas me menacer. Non. Tu es sûr, non? Tu as venu pour moi, non? Oui. Tu peux pas dire? Oui. Allez, maintenant, nous donnez-moi à manger.